Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le, mon petit scrap room, le tour de ma scrap room. Voilà, comme je vous avais promis. Bon, tout est rangé, mais tout n'est pas encore trié vraiment. Euh, ça, je vais le faire un petit peu à la fois hein, parce que, bon, ben, comme vous aviez vu sur les photos, euh, celles qui ont mon Facebook, euh, et puis même, j'avais mis une photo aussi dans la communauté. Il euh, y avait du boulot, beaucoup de boulot quand j'ai déménagé euh, de ma chambre à ici. Donc, euh, je ne pouvais pas tout trier. Euh, donc là, je vais vous faire faire euh, le petit tour, voilà, le petit tour virtuel de ma pièce. Euh, J'espère que, que ça va vous plaire. Et, Et puis, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires euh, en dessous, des petits pouces bleus, plein de choses, comme d'habitude. Voilà. Allez, je vous fais la visite. A tout de suite. Alors voilà ma petite scrap room, ma nouvelle scrap room, qui n'est pas que pour le scrap, hein, pour chez moi, vous savez, puisque je fais euh, pas mal de loisirs créatifs. Donc je vous montre déjà une vue d'ensemble de ce que j'ai fait. Donc ma pièce est déjà beaucoup beaucoup euh, beaucoup plus grande. Euh, je ne sais pas combien de mètres carrés j'ai gagné, mais j'en ai gagné quelques uns quand même. Donc voilà. Et je vais vous montrer ça en détail. Là. Et donc on donne sur le jardin. Avant je donnais sur la rue. Et là maintenant donc je donne sur le jardin. Donc euh, il y aura moins de bruit. <laughs> Et donc la chambre est là-bas. Donc mon atelier était là-bas avant. Allez, je vous fais la visite. Alors d'abord en dessous. Euh, en dessous c'est toutes les caisses. Qui, qui stocke des choses que j'utilise pas toujours. Hein. Comme là, c'est une caisse avec ma laine. Il y en a une deuxième ici. Là, ce sont une caisse avec toutes mes chutes de cartonnage, puisque je garde toutes mes chutes. Là, il y a encore une caisse avec de la laine, des aiguilles à tricoter, et tout ça. Là, ce sont tous mes albums euh, de scrap que j'ai déjà fait. Ensuite, euh, là, c'est mon panier euh, scrap que j'utilise en ce moment. Ici, dans le carton, ce sont tous des... Euh, des anciennes broderies que j'ai faites. Il y a des anciennes grilles, il y a des ciseaux, il y a tout. Enfin, c'est tout ce qui concerne la broderie d'avant. Là, c'est ma caisse pour faire la mosaïque. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Euh, là, là-dedans, c'est tous des anciens pots de diamond painting qu'il faut que je trie et que je refais des sachets pour les perles. Euh, ça fait énorme, hein, mais c'est parce que dedans, il y a des, des caisses et, et les pots étaient très gros à l'époque. C'était au début je hein, que je faisais du, du diamond painting. Alors ici, j'ai une première tour. Je ne sais pas si elle va rester là, parce que bon, là, ça n'a pas l'air très pratique. Euh, voilà. Donc là, il y a un peu de tout, il y a des perfos. C'est surtout pour la fimo ici. Vous voyez J'ai mes moules. Voilà, vous voyez C'est surtout pour la fimo, cette tour. Hop, on va essayer. Non, en bas, j'ai du mal. Il faut que je me mette à quatre pattes pour l'ouvrir. <laughs> euh, ici. Alors là, maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai pu mettre toutes mes. Tous mes trucs au mur. J'ai pu tout fixer au mur. Ça, c'est pas mal. Parce qu'avant, euh, dans l'autre pièce, j'avais rien fixé au mur. Et ça me prenait énormément de place. Et ici, maintenant, j'ai pu tout fixer au mur. Je suis contente. Alors, ma première étagère. Ici. Alors, d'abord, là, j'ai toujours ma boîte que j'avais eue par. Euh... <laughs> Fébricoleuse. Voilà. Un échange qu'on avait fait ensemble. Et j'ai toujours sa boîte m'avait fait. Donc ici j'ai les petites boîtes avec des nœuds, nœuds, des cabochons, des petites perles, des bricoles. Là j'ai toutes mes mes peintures, euh, comment on appelle ça, aquarelle Voilà. Donc euh, celle-ci et après c'est toutes de celles de chez Action. Donc que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs peut-être que j'utilise un jour là ce sont en, les peintures en spray d'action que j'ai jamais utilisé non plus ici c'est tous mes 15-15 en papier métallique comme ça les mix médias là des capsules ici des Bon là c'est pour faire du mix media surtout hein, euh, des petits cailloux, de la poudre, des paillettes, euh, du polystyrène. Voilà. Là, tous mes pinceaux, mes spatules. Pour faire la peinture. Ça, ça c'est une ancienne de mes broderies. Très très vieille. <laughs> Alors ici, je les ai fixées au mur. Et là, je suis contente parce que ça, ça tombait toujours. C'est les étagères d'action. Hein. Avec les petits pots. Alors là-dedans, il y a de tout. Il y a des coins en métal. J'ai des j'ai des demi-perles. D'ailleurs, ça, il faut que je trie parce que là, du coup, tout est mélangé. Euh, j'ai des petites bouteilles avec des paillettes. Ça, c'est des euh, taches parisiennes. Là, il y a quoi bah, c'est encore des petites bouteilles. Vous voyez, là, c'est des des embellissements que j'ai fait avec la pâte à durcir d'action. Donc tout ça, il faut que je le retrie. Il manque des boîtes, mais c'est parce qu'elles sont euh, dans ma mallette. Alors ici, j'avais commencé à noter. Alors là, c'est des petites. Là, c'est un mini album que j'avais fait il y a très longtemps. Ça, c'est une créa qu'on m'a offert. Euh, je sais plus qui. Désolée. Pardon. Et donc ici, vous voyez, j'avais commencé à écrire. Donc les aimants. Les mini-poignets, les coins en bronze, les coins en métal, les cabochons. Donc, il faut que je termine, que je finisse de trier. Là, pareil, hein, j'ai pas mal de choses à trier. Là, mon appareil photo, ma caméra, mes, mes petites perles que je me sers souvent. Ici, pareil, là, c'est surtout pour les bijoux, voyez Là, donc c'est tout ce qui me sert à faire des bijoux donc les perles les embellissements les... Les... donc ça c'est les deux pour faire les bijoux celui-ci euh, c'est pareil il y a un peu de tout il y a même des petites créas que j'ai fait en fimo donc il faut que je trie aussi là pareil plein de choses que je dois trier vous voyez, tout est un peu mélangé encore. Euh, là, c'est des. On me avait offert. Euh, comment on appelle ça C'est pour faire les, les découpes. Donc, c'est un Sisic. Et ça, c'est celui qui était avec la Big Shot. Donc, là, c'est mes pinces. Ici, alors là, c'est pareil. Là, il n'y a rien à y ranger. Là, est... tout est mélangé. Et là, c'est le bordel, pas possible, mais bon. Ça, c'est mes classeurs. Alors, je vais changer le système. C'est mes classeurs de, de tampons. Je vais voir si je ne vais pas changer le système. Euh, parce que là, vous voyez, le classeur est. Et donc là, j'en ai un deuxième. Euh, c'est celui avec des dies. Mais là, il y en a presque pas dedans. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, c'est du bric à brac a de... <laughs> Là, euh, mes stickers hein, que je me sers euh, souvent pour faire mes cartes, hein, que vous voyez. Mes stickers spill-off. Là, mes classeurs d'embossage. Ici, alors j'ai une étagère, alors que je n'avais jamais que je m'étais jamais servie, parce que je ne pouvais pas la mettre au mur de l'autre côté. Du coup, maintenant, ça y est. Là, c'est une créa qu'on m'avait offert. C'est pareil, ça fait très très longtemps que je l'ai. Ouais. Donc la personne qui me l'a offert, si elle passe par là, elle verra que j'ai l'ai toujours. Euh, là, les bocaux, je vais les décorer, parce que ça fait moche. Donc ça, c'est les alphabets, euh, stickers, les boutons, des petites peluches, mini peluches, pour faire des les porte-clés ou voilà alors on va passer ici donc là mon bureau avec ma big shot là c'est l'album que je suis en train de faire hein. d'ailleurs je suis en retard hein. j'ai raté mon défi presque <laughs> euh, là je suis en train de faire euh, mon nuancier pour les feutres alcool de L'action, donc ça y est, pour celle qui avait vu, je marquais que je cherchais un nuancier, j'en ai trouvé un. Alors j'ai un, un feutre qui a fui. Alors, regardez, ça me fait un gros pâté. Bon, euh, c'est trop rien pour moi, mais bon, je verrai. Sinon, je le referai parce que j'en ai imprimé un deuxième. Euh, qui est quelque part, je ne sais plus où. Enfin, j'en ai imprimé un deuxième. Je verrai si je le refais ou pas. Parce que j'aime bien que ce soit propre. Et là, ça m'a fait un gros pâté. L'encre le, a coulé d'un coup. Là, ici, c'est dans une vieille boîte de cartonnage que j'avais pas fini. J'ai mis mes dies que j'utilise le plus. Là, bah, c'est des feutres, des crayons. Là, pareil, hein, dans mes tiroirs, il y a un peu de tout. Euh, il y a un peu de tout mélangé. Là, il y a des perfos. Donc, tout ce qui est tiroir, il faut que je retrie. Donc, ça, c'était euh, les trucs d'action où je mettais mes feutres dedans. Donc, je vais voir si je vais les remettre dedans. Parce que, pour l'instant, ils sont là, mais ils sont debout. Et donc, c'est pas bon. Il est préférable qu'ils soient couchés. Donc, euh, d'ailleurs, je suis je venue de vous montrer cette étagère. Donc, c'est pareil, c'est les étagères action. Avec les petits bocaux action. Voilà. Vous voyez. Donc, là, il y a les, les cabochons. Tiens, d'ailleurs, c'est cela que je cherchais l'autre jour. <laughs> Alors ici, j'ai pareil, une étagère qui ressemble à la première, euh, avec toutes mes encres. Voilà. Mes encres et mes poudres d'embossage. Là, dans les boîtes, bon, c'est tous des petits embellissements, des, des, des bricoles, il des, y a de tout. Là, c'est mon étagère à colle. Là. Là, mes ciseaux, mais bon, ça vous c'est pas très intéressant là. Les paniers, euh, c'est pareil. J'en ai deux, j'en ai un là et j'en ai un par terre. Donc, celui-là, il faut encore que je l'accroche. Euh, pareil, ça venait d'action. Donc, avec ma euh, mon souffleur chauffant, donc là, j'ai mis mes, mes alphabets, les derniers que j'avais achetés. ma mallette à cartonnage. Hein. Alors ici en dessous, donc j'ai encore une, euh, une tour à tiroir où il y a du pareil. Alors là en bas c'est que des carnets, des cahiers, des papiers. Là il y a des embellissements, il y a des ciseaux, il y a de la pâte à durcir. Ici, alors j'ai tous mes trucs aussi pour faire des bijoux. J'ai des rubans. J'ai des boîtes à boutons. J'ai. Voilà. Là, c'est un panier avec ma fausse Misty. Voilà, pour faire mes tamponnages. Là, je peux la remettre. Alors, ici, dans le coin. Alors là, mes Betty Boop. <laughs> ici, dans le coin, c'est tout ce qui est couture. Donc. Euh, j'ai un carton de tissu, j'en ai encore un là en bas, mes boîtes à couture. Et là, je vais me reculer un peu pour vous montrer, ça ira mieux. Voilà, alors là, c'est deux caisses à vin. Alors, celles qui sont venues au salon l'année dernière ont peut-être vu ces caisses à vin. Euh, je m'en servais pour euh, présenter euh, sur ma table de, euh, au salon de loisirs créatifs pour présenter mes articles. Et du coup, ben, je m'en suis servi pour faire des étagères. Voilà. Donc, je vous montre. Vous voyez, j'ai mis une dentelle. Là. Et du coup, je les ai fixées au mur. Ça me fait deux étagères. Voilà. Là, c'était les, les poupées en. Les anges en livre plié que j'avais fait. Donc, je vais revenir ici. Là-bas, <laughs> il faut changer les piles par contre parce qu'ils ne vont plus, mais bon. Là, c'est les feutres aquarelles. Pour l'instant, je les ai mis là. Là, il y a un peu de bric-à-brac. C'est pour faire mon mix média. Là, c'était une de mes pages, une page que j'aimais bien, que j'avais fait de scrap. Donc là, il faut que je remplisse encore. Donc là, c'est la commode hein, que j'avais faite, qui est toujours dans la boutique. Pour l'instant, je l'ai posée là. Il vaut bien que je la pose quelque part. Donc, là, c'est le coin couture. Euh, alors, ici, en bas, du coup, en attendant que je retrie, euh, ici, il y a encore plein de dies, de tampons qui ne sont pas triés. Euh, donc, ça, c'est à trier, à ranger. Là, c'est encore des tissus. Là, c'est mon cutter électrique. Bon, là c'est la hein, c'est bric à brac <laughs> on arrive ici donc sur la cheminée alors il y a des cadeaux qu'on m'avait fait euh, j'ai pas encore tout mis hein, je vais en remettre donc c'est pareil désolée hein, pour les filles euh, qui m'ont fait les cadeaux euh, j'ai plus les noms en tête mais voilà ils sont mis en... d'ailleurs il y en a encore là j'en ai encore un là bas Là, c'est des petites fimo que j'avais fait il y, a, oh, il y a au moins 4 ans, je crois. Voilà. Euh, ça, bah, c'était un truc action. Ensuite, les ça, c'est les bouquets de fleurs que moi je fais euh, avec des boules de polystyrène. Oui. Voilà, là c'est du stock. Et ici, alors là, mes étagères. Donc là, tout n'est pas trié. J'ai l'impression que ça floute de temps en temps, je suis désolée. Alors là, c'est les boîtes. Alors tout ça, c'est des boîtes que j'avais trouvées chez Action. Donc là, c'est tous des embellissements en bois. Là, j'aurais pas dû mettre le flash, ça brille. Mais comme là, on n'a pas de luminosité aujourd'hui, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Là, c'est des dentelles. Là, c'est des petites fleurs. Alors, ça, c'est les dernières boîtes que j'avais eues à Action. Donc, dans la première, c'est les rubans. Il faut que je mette les étiquettes. Là, c'est les rubans. Là, c'est toutes les perles qui sont déjà triées et mises en sachet pour le Diamond Painting. Mais il faut que je change encore le système de rangement. Et là, ce sont les, les rouleaux de comment De d'organza. Donc, il y en a avec les petits et un avec les grands rouleaux. Vous savez, ce qu'on trouve au rayon fleurs à Action. Donc là, c'est pareil. Euh, là, c'est des rubans, des perles et des charmes, des plumes et des bobines. Et là, tous les die cuts. Ici. C'est les blocs 15-30. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, puisque tout ça, j'en avais beaucoup vendu. Là, pareil là, c'est des vieux vieux bijoux que j'avais fait. Euh, mais faut que je retrie. Là, il y a des fleurs, il y a des embellissements, euh, des feuilles, des fleurs, pareil, que je dois trier. Ça, c'est mes présentoirs quand je fais les salons. Mais comme je, je ne pense plus de faire de salon, ben... Alors celui-là, vous voyez comment il est. Là, il faut vraiment que je le refais. Euh, alors ça, c'est tout des découpes de die cut. Ça, c'est tout des découpes qu'on m'a offert. Là-dedans, il y en a aussi les alphabets en bois. Là, il y a des embellissements de l'album. C'est ce qui me reste de l'album celui-là que j'ai toujours pas collé. Voilà que je devais. Alors, je le prends avec délicatesse parce que vous savez qu'il est voyez avec celui-là. ah là, ici, c'est tous mes blocs euh, cart enfin une partie parce que j'en ai encore ici sous la cheminée. après euh, bah, ça c'est les enveloppes. là, j'ai encore. j'en ai ailleurs mais j'ai encore mes plaques euh, aimantées parce que j'ai un projet avec. Euh, là, c'est ma fuse, c'est ça, hein oui, là, c'est ma boîte avec tous mes washi, ça, c'est la machine, bah, du coup, que je ne me sers pas, que j'avais acheté pour faire avec le fol, que j'avais mis en vente, mais bon, après, du coup, avec le confinement, euh, une personne devait me le prendre, et puis, du coup, après, elle ne me l'a plus pris, euh, si ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à me contacter hein, euh, je ça c'est des embellissements et des, des boutons en bois que je dois trier. Ici en bas, là c'est ma caisse avec tout ce qui concerne la machine euh, pacifieuse. Elle est dedans d'ailleurs avec les pochettes tout. là c'est tous mes tableaux à faire pour le mix média. Album, album, ça c'est celui que je fais avec, euh, pour les chiens, mais bon pour l'instant il n'y a qu'une page de fête. Mes blocs, 30-30, voyez j'en ai pas beaucoup, j'en ai plus beaucoup. <laughs> ça c'est toutes les cartes faites qui sont dans la boutique. Alors là il y a un classeur avec toutes les pocket letters qu'on m'a offertes. Là c'est des tutos, là c'est deux classeurs vides. C'était les classeurs où j'avais euh, voilà, ces, ces revues anglaises. Mais il ne me reste plus que ça. Là, c'est une boîte avec tous les alphabets. Enfin, une partie des alphabets. Voilà. Ici pareil. Alors, tiroir, euh, tiroir ruban, mais... Voyez, il n'est pas, pas rangé, rangé. <laughs> On verra ça plus tard. Alors, ça, c'est des choses qui me restent, que je dois trier, qui restaient à vendre euh, dans, dans ma boutique. Là, c'est tout ce qui concerne les, fab... les, les créations de Noël. Donc, les boules de polystyrène, les boules de Noël. Là c'est marqué mosaïque, mais c'est pas de la mosaïque, c'est toute ma FIMO. Là j'ai deux boîtes avec toutes les tout pour faire mes cartes, hein, tous les fonds de cartes. Ici en bas, euh, c'est encore toutes des créas euh, que j'ai faites euh, il y a longtemps. Alors, très longtemps, c'était au début de... que je faisais du scrap. Euh... Comment c'est au début que je faisais du scrap euh, que c'est toutes mes créations enfin une partie de mes créations que je faisais au début je vous ferai peut-être une vidéo un jour, euh, une vidéo diapo pour euh, vous montrer mes créas donc là c'est de la Fimo aussi là c'était la caisse alors c'est pareil, il faut que je la trie parce que depuis le mariage quand j'ai fait les faire-part et tout donc tout est encore dedans <laughs> Là, c'est une boîte avec des fleurs. Là, c'est euh, ce qui me reste des rubans que j'avais triés. Donc, il m'en reste quelques-uns triés. Donc là, ça, ça, se corse parce que ça, c'est pas trié. Ça, c'est pas trié. Ça, c'est pas trié. Là, c'est une caisse avec les couronnes de Noël que j'avais fait. Euh, ah bah ben, tiens, chercher après ça. Le voilà. <laughs> euh, les couronnes de Noël que j'avais fait pour la boutique et c'est celles qui ne se sont pas vendues. Donc, je les ai toujours. L'appareil, c'est à trier. Et là derrière, donc c'est tout ce qui va, c'est un panier, vous voyez, qui va me servir. C'est tout ce qui va me servir pour le mon journal. Donc tout est dedans. Là, c'est toutes mes plaques de cartonnage. Euh, là, c'est un mannequin, un demi mannequin, que j'ai depuis des années, qui ne me sert à rien. Voilà. D'ailleurs, si ça, ça intéresse quelqu'un, ben, je vais le revendre. Hein. Euh, désolée, je suis essoufflée. Là, c'est encore une caisse avec tous les fonds de cartes. Et là derrière, c'est encore des rubans à trier. Et ça, c'est le pistolet à colle d'action. Euh, non, pas d'action. De Lidl. Une vraie. Euh, Excusez-moi, je vais dire un gros mot. Une vraie merde. Mais je l'ai. Euh, puisque la colle euh, cool, mais à l'intérieur du pistolet. <laughs> donc il est là. Euh, faudrait que je le démonte un jour, voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, au fond, donc une caisse avec des fleurs. Et là en bas, c'est juste des papiers. Euh, c'est des blocs de papier, des blocs de post-it. Euh, voilà, c'est juste des. Voilà. Et il y a un tout petit carton là. Voilà, ici. C'est mon plateau tournant, pareil pour, euh, quand je faisais, euh, pour les salons. Mais bon, maintenant, il ne me servira pas à grand-chose. Ensuite, ben, la table à repasser. Et ici, donc, ma bibliothèque. Donc, avec un ange en livre plié, ma barbie en livre plié, un canevas que j'ai fait il y a pouf, longtemps. Donc, tous mes bouquins. Là c'est tous mes bouquins de cuisine. Voilà, là il y a plein de choses. Il y a mes créas derrière. Et ici. Et ici, il y a les, les diamonds painting qui attendent d'être encadrés en attendant. Et ici, c'est le tissu que je vais coudre pour faire le rideau ici voilà bah ben voilà vous avez fait le tour de ma petite scrap room j'espère que ça vous a plu bon vous n'avez pas vu tout 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 en vraiment en détail mais j'espère que au moins vous aurez vu un peu plus <laughs> dites moi ce que vous en pensez et, et puis j'attends vos commentaires et puis bon quand j'aurai vraiment bien tout trié on refera sûrement un, un petit tour. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on refait un tour d'ici, euh, d'ici un petit moment, quand ça aura bien changé. Allez, je vous fais tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.